écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les informations avec vous, Brahim Azouz, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier soir au Cercle National de l'Armée une cérémonie de réception en l'honneur de hauts cadres de l'Armée nationale à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Le CR Blouzdad décroche sa 9e Coupe d'Algérie en battant le MC Alger. Un but à 0 au stade du 5 juillet en présence du chef de l'État qui a remis le trophée au capitaine des Rouges et Blancs. Une victoire suivie de scènes de liesse à Blouzdad, notamment après le coup de sifflet final. Les inscriptions au programme ADL 3 ont débuté hier à 21h. L'opération est à 100% numérique. Environ 90% de la population de la bande de Gaza a été déplacée au moins une fois depuis le début de l'agression sioniste, selon l'ONU. Et puis en Iran, le candidat Masoud Bezeqchian est vainqueur de l'élection présidentielle. Du football avec les quarts de finale de l'Euro. L'Allemagne sortie par l'Espagne qui affronte la France en demi-finale après sa victoire hier devant le Portugal. Assure aujourd'hui Angleterre, Suisse et Turquie, Pays-Bas. Bonjour à tous. Célébration de la fête de l'indépendance. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier soir au Cercle national de l'armée à Bnim Sousa, Alger, une cérémonie de réception en l'honneur au cadre de l'armée nationale en activité et à la retraite, et ce en présence de hauts responsables de l'État ainsi que des hôtes de l'Algérie parmi les amis de la glorieuse révolution algérienne. La cérémonie s'est clôturée par un spectacle de feux d'artifice marquant l'événement. Et un peu plus tôt, en fin d'après-midi, midi d'hier, le président de la République a assisté à la finale de la Coupe d'Algérie entre le CR Blouzdad et l'Omloudia d'Alger au stade du 5 juillet. Le chef de l'État a remis le trophée au vainqueur, le CR Blouzdad, qui a remporté ainsi sa 9e Coupe de son histoire et devient le club le plus titré en Coupe d'Algérie. Juste après le coup de sifflet final, les supporters sont sortis dans des cortèges à Alger, notamment dans le quartier de Blouzdad. Nous, en tant qu'anciens supporters du CRB, moi personnellement j'ai assisté à 5 finales ou 6 finales, mais c'est la meilleure. Parce qu'entre le club où il y a une grande rivalité, et donc on est champion. Et quelle joie, Yahoo, quelle joie. Je vous ai dit, CRB, c'est très simple. Des propos recueillis par Rostom Yahya Chérif. Le mérite revient bien évidemment aux joueurs qui ont gagné cette coupe dans un derby difficile. On écoute les impressions des joueurs Alexis Gendouz, Mourad Haddad et Oumba du CRP. C'était un derby, c'était un match compliqué. On sait que les derbys, voilà, c'est toujours des matchs très très difficiles. La saison, elle a été longue. Et ce match-là, aujourd'hui, c'est la consécration d'une saison difficile. Et on rentre avec le titre. La coupe a dit, الحمد لله مباراة اليوم كانت صعبة أمام منافس عنده تشكيلة نقدر نقول من أحسن الفرق الجزائرية الموسم هذا داو البطولة حنا دينا الكأس هادية نهديوها لكاع الأنصار شباب بلوزداد أنا تنيو سكو بو أنا بوفا با فيني سات سيزون سان تيتر أنا تو دوني أوجودي نو سوم تري هورو. Félicitations au CR Blouzdad. C'est parti pour les inscriptions au programme ADL 3. L'opération est lancée hier soir à 21h. Elle est 100% numérique. Ce programme a été annoncé, pour rappel, en octobre 2023 par le président de la République, suivi de la décision de l'ouverture des inscriptions à partir d'hier 5 juillet. La plateforme numérique est accessible via le lien ADL3inscription2024.dz. Comment s'inscrire? Les détails avec Ibtihal Hatoun. La plateforme numérique accessible via le site ADL3inscription2024.dz est désormais ouverte aux inscriptions, rappelant notamment qu'une application mobile est également disponible pour faciliter le processus. Le site est opérationnel depuis jeudi déjà pour permettre aux futurs inscrits de se familiariser avec l'interface. Donc pour s'inscrire via le site web, les utilisateurs doivent choisir leur wilaya de résidence, entrer leur numéro d'identification et leur numéro de sécurité sociale, fournir leur numéro de téléphone et confirmer les données après avoir passé le code de vérification. Pour ceux utilisant l'application mobile, les étapes sont similaires avec une option de scan des cartes biométriques pour plus de commodité. Enfin, une vérification de l'inscription est nécessaire, permettant ensuite de télécharger le formulaire d'inscription. Un numéro de téléphone fixe est fourni pour confirmation et les inscrits disposent de 24 heures pour
appeler ce numéro. Ce nouveau dispositif vise à faciliter le processus d'inscription et à éviter les embouteillages numériques. Élection présidentielle du 7 septembre, Alain Niché annonce que les cellules de légalisation des formulaires de souscription des signatures individuelles au profit des postulants à la candidature se resteront ouvertes tous les jours de la semaine, y compris les vendredis et les jours fériés, de 8h à 22h, et de rappeler que le dernier délai pour le retrait des formulaires de candidature est fixé au 18 juillet à minuit. Jusqu'à là, 34 postulants à la candidature ont retiré le formulaire de parrainage. Coopération algéro-italienne dans le secteur de l'agriculture, signature aujourd'hui d'un accord cadre entre le ministère de l'Agriculture et le groupe italien Bonifici Ferrassi. L'accord vise à la réalisation d'un projet intégré de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans le sud du pays. Le décret présidentiel portant création du prix du président de la République du meilleur exportateur vient d'être publié dans le dernier numéro du journal officiel pour honorer les opérateurs économiques et en reconnaissance de leurs efforts, leur contribution notamment à la diversification des exportations hors hydrocarbures. En Palestine occupée, le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le bilan de l'assaut d'hier, assaut sioniste sur la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, s'est alourdi à 7 martyrs. Et l'ONU qui tire la sonnette d'alarme, environ 90% de la population de la bande de Gaza a été déplacée au moins une fois depuis le début de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne. Au plan politique, la résistance palestinienne Hamas relance les négociations et l'armée d'occupation se dit prête à accepter un accord. Un retournement de situation après l'échec qu'ont connu les précédents rounds. Un développement qui pourrait s'expliquer par toutes ces voix qui s'élèvent pour le départ de Netanyahou et la pression de la rue à travers le monde où de grandes manifestations ont été organisées contre l'entité sioniste. Sur ce nouveau round de négociations, on écoute Hamada Ferana, analyste politique jordanien, contacté par Karima Hasnaoui. Ce nouveau round se tient à deux facteurs. Il s'agit d'un côté de la résilience de la résistance palestinienne et aussi l'échec des forces d'occupation israéliennes à atteindre ses objectifs. Les objectifs de l'occupant sont d'abord la liquidation des leaders du mouvement Hamas et la libération des prisonniers de guerre détenus à Gaza. Ces négociations se tiennent sur fond de flexibilité et de positivité du Hamas pour maintenir les portes du dialogue ouvertes. Hamas a agi positivement avec l'ensemble des différentes propositions faites pour un éventuel accord, alors que Netanyahou n'a pas d'intérêt à valider ni la trêve, ni encore moins l'échange de prisonniers. Le nouveau ministre des Affaires étrangères britannique a assuré qu'il soutenait un cessez-le-feu immédiat à Gaza. David Lammy s'exprimait dans sa première prise de parole après sa nomination hier, après la victoire des travaillistes aux élections législatives britanniques. L'Union européenne appelle à un engagement à mettre en œuvre les ordonnances de la Cour internationale de justice et les résolutions du Conseil de sécurité ordonnant un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire dans toutes les parties de la bande de Gaza. En Iran, le candidat Masoud Bezeqchian a été élu président avec 53% des voix devant son rival Saïd Djalili. Il vient de déclarer qu'il tend la main à tous les Iraniens. Plus d'un million de personnes ont été affectées dans les Caraïbes par le passage de l'ouragan Beryl. C'est ce qu'ont annoncé les Nations Unies. Beryl est un ouragan de catégorie 4 qui a fait au moins 11 morts jusqu'à présent. Il a semé lundi dernier la destruction en Grenade avant de toucher mercredi la Jamaïque et il sévit actuellement au Belize et au Mexique. Le cinéma, comme l'écriture, contribue à la préservation de notre histoire et de notre mémoire. Plusieurs films ont été d'ailleurs réalisés racontant le combat du peuple algérien pour son indépendance ou des portraits de nos héros Shuhada comme Ahmed Zabana, guillotiné par l'armée coloniale. Fatah Boumahdi a rencontré le réalisateur du film Ahmed Zabana, Saïd Oul Khalifa. Et en application d'une décision de justice à l'encontre des accusés Ahmed Zabana. Ahmed Zabana, du réalisateur Saïd Oul Khalifa, est un long métrage de 107 minutes qui retrace la vie et le sacrifice d'Ahmed Zabana, l'un des premiers martyrs de la révolution algérienne, exécuté en 1956 par le colon français. Par sa réalisation, le réalisateur met en lumière l'importance de la préservation de la mémoire et la nécessité de la transmettre à travers le cinéma. Le réalisateur Saïd Oul Khalifa. Mon approche de Zabana, c'est le témoignage que j'ai eu de
la part de son dernier compagnon encore en vie, M. Saïd Stambouli, qui avait 18 ans à l'époque. Il en parlait avec beaucoup de respect et de bienveillance. Et quand je lui posais la question pour lui dire « Pourquoi Zabana ?» Il m'a dit « Ça a été notre première école, on était tous dans le scoutisme, mais en dehors du scoutisme, c'est Hamida, comme il l'appelait, Hamida Zabana, qui nous emmenait au cinéma, qui nous emmenait voir au stade, et chaque fois, après chaque film, il y avait une discussion politique autour du film. Pour moi, c'était devenu un personnage de cinéma aussi, quoi. » Le film Ahmed Zabana ne se contente pas de raconter une histoire, mais incarne les valeurs de courage, de détermination et de patriotisme d'Ahmed Zabana et des nombreux valeureux martyrs morts pour une Algérie libre et indépendante. Gloire à nos martyrs. Direction Gigel qui accueille l'université maghrébine initiée par l'Union nationale des professionnels de l'information algérien qui coïncide avec les festivités marquant le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance en présence de journalistes de Tunisie, de Mauritanie, de Libye et du Sahara occidental et la Palestine et l'invité d'honneur Abdelhamid Zouet. Une rencontre qui coïncide avec le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et qui se poursuivra jusqu'au 10 juillet prochain. Bouhari Mohamed Sherif, membre du bureau de Wilaya de l'INJA à Dijel. Également une opportunité de rencontrer intermaghrébine, des représentants de la presse et également et des sorties sur le terrain pour de la promotion du tourisme de la Wilaya et ses potentialités. À cet effet, nous avons organisé des sorties pour visiter des sites historiques et touristiques, entre autres le Grand Phare, le port de Boudis, la prison de Mélia, qui est un symbole d'histoire, et également sur la question de la tenue des ateliers, sur la thématique de la presse et le monde des médias. Soussane Benchir, journaliste tunisienne, présente à cette université. Je suis plus que ravie de cette initiative parce que nous avons besoin de nous retrouver, nous voulons faire des contacts, échanger, discuter. Aujourd'hui, dans notre région, sur les médias, sur l'information, sur un journal qui aide les citoyens à s'éclairer. Dijel Abdelhamid Zouad, Alger Chain 3. Le développement du tourisme passe par la formation et la qualité des services. Ouverte il y a quelques années, l'école supérieure en hôtellerie, l'Echra de Ain Benyen, forme des étudiants en normes internationales dans plusieurs spécialités sur les Ouzlen. Créée en 2014, l'école supérieure de l'hôtellerie et de la restauration de Ain Benyen prodigue une formation en hôtellerie et restauration répondant aux normes internationales ainsi que des formations continues pour les professionnels du secteur. Nabila Atak, enseignante à l'Echra. Des modules pratiques dans les cuisines, de restauration, d'hébergement, etc. Et il y a en parallèle des modules théoriques. Il y a toute une batterie de modules de gestion, puisque ça va être des gestionnaires, ce ne sont pas des serveurs. On a la première année, on les fait passer par la cuisine et par tous les métiers de l'hôtellerie parce que ça va être des futurs managers. L'Echra se distingue par sa pédagogie innovante et ses collaborations internationales. Nabila Lapti, enseignante et formatrice en communication, accompagne les étudiants lors de leur cursus. Le partenariat, c'est une bonne chose. Ça donne plus de valeur à nos diplômes. Bien que le diplôme de licence est déjà valorisé, nos licences sont reconnues à travers le monde. Et nos étudiants peuvent aller faire des masters, même à l'étranger. C'est un transfert de compétences. Depuis sa création, cette école joue un rôle primordial en formant les futurs managers en fonction des besoins de l'industrie hôtelière. Du football et la première demi-finale de l'Euro mettra aux prises l'Espagne. La France, l'Espagne a gagné devant l'Allemagne sur le score de 2-1 alors que la France a sorti le Portugal de Cristiano Ronaldo, tir au but. Il y aura aujourd'hui la suite avec les deux autres quarts de finale, Angleterre-Suisse et Turquie-Pays-Bas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.